cohérence avec cet acte de la République, qui reconnaît sans ambiguïté la place de la torture à des fins politiques menées par l'État français et d'une certaine manière en train de créer les conditions sans jeter de vinaigre sur les plaies de l'histoire, de se réconcilier avec sa propre histoire et de se réconcilier donc avec l'Algérie.